Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bill, bonsoir. Bill, j'ai travaillé toute la journée. Et à mon lieu de travail, j'ai reçu une bonne dizaine d'éléments de Gilbert Bawara qui retraçaient la magnanimité de Faure vis-à-vis de Patrick Lanson de l'ANC. Bill, tu sais, au Togo, il y a quelque chose qui se le dispute à l'incongruité. Tu as beau mettre tous les éléments devant les Togolais, ils ne vont pas t'écouter. C'est un peuple qui aime entendre. Eux n'écoutent pas. Et pourtant, Bill, depuis 2020, j'ai commencé à marteler que l'ANC que vous voyez et moi, Camus Ali, nous partageons les mêmes amis. Sauf que eux sont des politiques et moi, je suis un journaliste. Bill, j'ai martelé. C'est ça qui m'a valu l'inimité de monsieur comme Bamba Naburema. Bill, tu te rappelles, quand j'avais dit, déjà en 2020, en 2020 là, de laisser tomber, Patrick Lanson mange à unir, monsieur Bamba Naburema est sorti. Tu te rappelles de ce qu'il m'a fait? Il a dit publiquement que j'étais un petit qu'on manipulait. C'était sa phrase. C'est ça même qui a amené jusqu'à nos jours les problèmes entre ce monsieur et moi. Il est allé même loin pour une banale visite de mon papa malade chez lui à Lomé pour dire « je connais son papa ». Il est même venu ici, comme si mon papa était venu mendier chez lui. Le pauvre, il est venu chez son médecin à Lomé, a fait un saut pour lui dire bonjour. Il a amené ça en politique, rien que pour me discréditer. Et au-delà, ma personne, là, les alliés, je peux le dire. À cause de l'ANC, à cause de politique. Monsieur Naburema Bamba, voilà, tout est maintenant nu. J'ai dit, nous avons les mêmes amis. C'était tout mon tour. Il m'a dit que j'étais un petit manipulé. Je ne sais même pas à quel âge on devient grand au Togo. En 2020, là, je dis en 2020, j'avais 50 ans. Mais j'étais un petit manipulé, faisant de lui et de sa fille les meilleurs hommes politiques. C'est eux qui sont des vrais politiques. Les autres là sont des manipulés. Et comme si cela ne suffisait pas, je suis revenu encore. J'ai dit aux Togolais que nous avons les mêmes amis. Quand Tipi Achadam a lancé sa révolution, le RPT uni n'était pas allé pour négocier avec Tipi. J'ai même donné les détails prêts. D'abord, c'est avec Patrick Lanson. Et ensuite, c'est avec George Lanson. C'est par George Lanson que le mot est sorti qu'il ne faut pas aller aux élections. J'ai dit ça. Mais nous avons les mêmes amis. Mais à un moment, je suis libre de défendre le peuple togolais. Bon, Gilbert Bawara lui-même le dit.
ici et publiquement. Je veux que M. Bamba Nabourema me présente toutes les excuses pour m'avoir traité, c'est-à-dire traité de minable. Pour la simple raison que j'étais en train d'aider le Togo avec mes sorties. Je ne lui pardonnerai jamais de m'avoir traité d'abord de petit et de manipuler ensuite. Je ne vais jamais lui pardonner de m'avoir lancé ces mots. Parce que je savais qu'à l'ANC, il n'y avait rien de sérieux. Puisqu'on a les mêmes amis. Donc quand les mêmes amis sortent, ils doivent se vanter d'avoir fait ceci ou cela avec les autres. C'est aussi simple. Gilbert Bahora est sorti et il a dit, je suis même allé plus loin à dire que je ne pardonnerai jamais à Patrick Lanson pour avoir livré un de ses neveux. Je suis allé jusqu'à dire ça. Les Togolais ne veulent pas m'écouter. Parce que moi, là, je n'ai rien. Qu'est-ce que je suis? Je suis Camus Ali. J'écris. Si vous m'écoutiez là, vous n'allez pas être surpris. Vous n'allez pas être surpris. Ce n'est pas Patrick Lanson seul. Même l'avocat Jovi Gali. On les pompe comme ça. C'est-à-dire, on les pompe. D'argent. On peut encore vous dire beaucoup, mais un peuple qui n'écoute pas, mais qui veut entendre, ils aiment là où c'est doux. Alors que quand moi je vais dire ça, je ne vais pas dire ça facile. Hein? Je vais droit au but. Je croyais vous sauver, vous ouvrir les yeux, vous aider. Vous n'écoutez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? J'ai dit, Isabelle Amegambi, c'est elle. Quand elle va chez Pascal Bojona, elle-même va à la cuisine. Elle aime cuisiner. Mais si un journaliste ne peut pas aider le peuple, dites-moi maintenant qui peut aider le peuple. Pour le moment, je ne voudrais pas aller loin. Je veux seulement que vous me reconnaissiez ce que vous devrez absolument me reconnaître. J'ai beaucoup fait pour ce pays. J'ai beaucoup donné. Et j'en ai laissé des ennemis, des gens qui veulent me manger cru, si c'est possible. Mais moi, je le fais pour le peuple togolais. Si moi aussi, j'étais comme Patrick Lanson, je serais à côté. Et manger. Je dis manger. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Nous avons connu des parents, nos parents, qui ont vécu avec l'argent. Mais au soir de la vie, de leur vie, on a compris, nous les enfants, que l'argent n'était pas tout. C'est ceux qui n'ont pas connu papa qui a argent, qui courent dans tous les sens. Il y a un petit âge là, j'ai vu les millions comme ça, sur le lit d'un papa. Donc, qu'on me laisse avoir ma vision du monde, ma vision du Togo. Bill, c'est tout ce que je demande. L'ANC m'a traumatisé. Et pourtant, j'aidais plus ou moins. Par mes sorties, j'aidais. Mais ce qui est beau dans cette affaire, c'est qu'il y a des gens, des cadres de l'ANC, qui me reconnaissent beaucoup de choses. Et qui... Non, des cadres, quand je dis des cadres, ce n'est pas des petits... Non. C'est des intellectuels. Prenez Georges Lanson, prenez Patrick Lanson, prenez tout ça là.
Les Isabelle Améga, c'est du pourri. Bonne soirée, je suis mon match. Je bois mon whisky. Après, je vais bien manger. Je m'en vais me coucher. Bonne soirée. Bill. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.